Ok, du coup, un petit Gamekeeper. Je comptais pas du tout tourner des vidéos sur LoL aujourd'hui, mais disons qu'on a sorti Rammus contre une team full AD, quoi. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Ils ont Darius top, Metroid jungle, Zed mid, Vayne ADC et Senna support. Alors que pourtant j'ai First Pick Rammus. J'ai First Pick Rammus et je tombe contre ce genre d'équipe. Si ça pouvait m'arriver tous les jours, ça serait vraiment génial. Mais ouais, du coup, ça promet. Emerginger top contre Darius, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que Emerginger va vraiment devoir jouer ultra safe tout le long. On devrait pouvoir s'en sortir, nous. Hein. Je pense même qu'on puisse... Je pense même qu'on pourra carry la game. Hein. Si on arrive à prendre un kill en early, en top lane. Après, ce problème avec Emerginger, c'est que du coup, le perso va avoir du mal à me suivre dans mes ganks, hein, je pense. Je veux dire, ça va pas faire comme Trundle ou comme d'autres top laners qui peuvent me suivre facilement. Vu une wave. Ouais, ça se tente. Hein. En plus, c'est bien, on a un Thresh aussi. Thresh qui va stack de l'armor. Et pareil, contre une team full AD, ça peut vraiment être fort. J'ai aidé ça. Ok, je me dis que je gank top niveau 3. Ok, y a personne. Des sbires sont apparus. Ou alors peut-être qu'il y a une veine métrouillée à la place. Tout des gangs top. C'est vraiment dommage ce qui vient de se passer en botlane. Je pensais qu'ils allaient pouvoir mieux s'en sortir. Allez, il faut flash Thresh. Hein. Ah, ça promet. Je vais devoir carry, je pense. Merdinger qui met beaucoup de pression. Je vais essayer du coup d'aller sur le Metroid. Il devrait être à son bleu là. Qui est ici. Je sais même pas s'il a dû l'avoir, donc je pense que oui du coup. Une caisse, c'est non ce qu'il a, je le prends. Je peux essayer de prendre le bon, de toute façon, ma ward, j'ai une ward ici pour voir s'il vient. De toute façon, il va prendre des bottes par contre, peut-être arriver un peu plus vite.
rapidement, c'est bon. Et Mac, il devrait pas tarder à se faire go par. Ouais. C'est bien ce que je me disais, il va commencer à se faire go. Pas grand chose à faire là-dessus. Ah, t'as vu ce qu'il joue pas Ghost? De TP. Vous êtes équipés encore niveau 6. Je vais gank mid et après je vais aller faire mes combo side parce que sinon. De la poche. De toute façon cette game est... à moins que vraiment la veine soit ultra feed et que j'arrive pas à la tuer, mais sinon je vois même pas comment je pourrais la perdre en fait. Oh non, on tape la veine. Je sais pas pourquoi Thresh a mis une lanterne avant. Il aurait dû la garder, moi je tuais Vayne même sans sa lanterne, enfin. J'en avais pas vraiment besoin. C'est pas très grave, on reste quand même bien dans la game. Aller au Drake ou pas? Ouais, je crois que je pourrais le tuer comme ça. Ah, pique un peu. Je vais essayer d'aller lui prendre son raid. Ok, Mazinger qui meurt. Attention. Ouais, le Thresh, je sais pas ce qu'il fait. Il attend une heure dans le buisson, mais il arrive en retard après. Mitrailler là. Ok, on met le Q-spell pour quand c'est son mandrin. Enfin, son soin. Ok. C'est vraiment trop fort le truc de Sénat, j'ai pas pu le... Enfin personne n'a pu l'auto-attaque du coup. Un peu fortiche. Je back là-dessus. Je sais pas pourquoi il continue de forcer alors que je suis plus là pour tank la tour. Cette Capri, il va sûrement prendre deux plaques. Normalement, avec Kramus, même niveau 6, faut pas hésiter, même à dive, hein, vraiment, le perso. Question armure, si on en fait quand même un petit peu en early, on peut le doubler et du coup, bien se sortir pendant les dives. Je vais
quand c'est d'aller une veille de Metroid. Franchement, quand t'es contre un Metroid Jungle, faut pas hésiter à aller une veille. Sinon, t'attaques-moi. Oh, les dégâts bruts que j'ai pris, ça pique. Bon, j'ai un peu forcé sur ce move, mais bon. J'avais quand même envie de tenter. De toute façon, même en 0-10, je pense que la game est gagnée. Tant que Darius est pas ultra feed comme là. Parce que vraiment Darius il peut m'embêter, mais les autres ils ont pas de dégâts bruts, il y a juste Vayne, mais bon. Vayne ça reste quand même que des auto-attaques du coup. Si je la chope, elle mourra comme les autres. Vagant bot, je m'en ultime. Les Metroid. On va tant pis. Hein. Des fois, faut pas hésiter à attendre, même si on n'a pas notre zen, hein, pour protéger notre ADC. Mais c'est Ward là-dedans. Non, c'est vraiment triste ce qui se passe, mais je sais pas ce que fait. C'est vraiment ça. Je peux rien faire là-dessus. Ils sont en train d'aller sous la tour alors qu'il n'y a pas de raison de y aller. Tu sais, là j'ai quand même mes items, j'ai pris doublé. Metroid fait les drakes, faut choisir attention à Metroid parce qu'il aime bien faire les objectifs. Du coup, dès que l'Herald va réapparaître, je vais essayer d'y aller pour l'empêcher. Le raid qui réapparaît dans 19 secondes. Du coup, là, tu fais la différence en game. Ok, on le tue. Je vais pouvoir enchaîner sur Metroid, du coup. Après, ouais, Nico qui fait pas d'armor contre un Z, elle cherche un peu la misère quoi. Donc.
La ruche qui a pas trop repris de kill pour l'instant, ça va. Si vous le dites. De Ramus, ça promet. Mid lab, j'aurais sûrement dive, mais là. Ah, j'aurais dû se mettre le carapateur. Dommage. Pas eu le bon réflexe, du coup. Merzinger qui ne tuera pas Zed. Je sais pas ce qu'il va se passer. Il va même mourir, ça se trouve. Non, c'est bon. Zed a plus d'ultime. Par contre, il y a Metroid qui est là. Ah, j'ai cru voir quelqu'un ici. Je sais pas si c'est pas Metroid, mais. On va aller bot lane. Parce que là, il y a Drake. Metroid, il adore faire les Drake, il adore faire les objectifs. Si je peux l'en empêcher, ça serait pas mal. En plus, on voit que bot ils mettent de la pression, donc ça veut vraiment dire que Metroid il y est. Oh. Coucou! Notre ADC s'en sort bien. Ouais, là-bas il y a. Il va vouloir faire l'Harald. Vraiment le Metroid, c'est trop facile de lire dans son jeu. On sent qu'il. En fait il veut juste faire l'Harald. Il fait juste les objectifs. Du coup si tu sais que le Metroid il adore faire les objectifs, t'as juste à aller là où il va et. Puis c'est bon en fait. Darius, fait un peu peur. On est caché. La ping porte qui est toujours au blab. On cancel son dash. Ah, il y a Metroid. J'ai envie de tenter. Il est sûrement. Okay. Non, il meurt pas. Pour rien faire, j'ai voulu forcer bah, sur les ennemis. Mais... Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Hein. Après, j'ai vraiment juste envie qu'ils m'étrouillent parce que c'est pire game. Hein. Parce que les autres, en soi, je les counter tous à part Darius. Et encore, Darius, ça reste quand même un perso AD qui a que des dégâts AD. Il a juste des dégâts bruts sur son passif et son ult, je crois. Je sais pas si possible c'est des dégâts bruts. Bon, ils arrivent, c'est OP, mais bon. On est plus que Nico face à Zonia.
Parce que là, ils sont full AD et Nico a pas fait de Zonia. Sauf que normalement, Zonia, c'est quand même un bon item sur Nico. Même ne serait-ce que faire le chronomètre, ça serait pas mal. On va essayer de foncer. Ouais. J'ai pas d'équipe. Ils étaient à deux sur moi, je sais pas ce qu'ils ont vu, combien ils sont morts. Ah, il y a sûrement Z. Ouais, c'est une Vayne. Bon, je vais quand même, faut que je mette au focus Vayne là. On devait avoir ce kill. Moi, je peux rien faire. En fait, il faudrait que je tente Vayne. Mais je veux pas la tente, elle est trop mobile là. Du coup, quel item faire maintenant? Top, ça se joue, mais je vois pas à quoi il va servir en late. Maître Yi va aller au Drake 100%. Voilà, parfait. Là, j'ai tant de vein. C'est compliqué, je sais pas ce que Thresh fait en fait, il n'y a pas de sort. Du coup on perd le Drake là-dessus. Il va être difficile ça, parce qu'ils font tous de la peine d'armor. Elle a bien réagi. Notre il est là-bas. Je vais les défendre bot. Je veux pas fuir. Mais Z fait trop mal. Z me fait trop mal. Déjà que le perso a pas beaucoup d'auto-attaque, il met surtout des sorts pour faire des dégâts. Et en plus, il a trop de pénalités d'armor. Faut que je fasse gaffe à Z. Critique. Ouais, ils font tous de la pénalité d'armor et. Counter. Tout c'est qu'ils font plein d'items pour me counter moi, mais du coup les alliés ils s'en sortent pas non plus. Genre ils ont pas de résistance magique, ils ont pas d'armure en face. Enfin juste le Darius qui en a un petit peu, mais les autres.
Il y avait une top. Mettre lui dans la jungle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Faut tuer Z. Tout le monde qui est parfait. Ah, c'est ce gars, imaginez. Je sais que je meurs pas du coup. Là par contre, je meurs peut-être. Non, c'est bon. Pff, impossible de meurs. Elle a pas fait beaucoup de dégâts critiques. Elle aurait pas cet item là, je pense que j'aurais tenté. Mais... Là elle a quand même de la peine, j'ai pas envie de risquer de mourir pour rien. C'est quand même beaucoup de vitesse d'attaque. On va prendre ça. Ah. J'ai pris du combien là-dessus? Je pensais tant qu'il t'aime en plus. Ok, maître Yi qui a fait ça. Bon voilà, je comprends mieux. Je comprends mieux ces dégâts. Mais du coup, c'est my bad, mais... Un allié a été tué. 10% des PV actuels de l'ennemi magnifique. Ah, elle est compliquée cette game. Ça va, Sylvia fait des bons dégâts. Hein. Sylvia s'en sort bien quand même. Le problème, c'est surtout vraiment très, je sais pas. Il a qu'un seul item en plus. On est bientôt à 30 minutes de jeu et il a juste ses bottes et son item mythique. Je sais pas trop ce qu'il fait. Mais... Allez, un grappin. Mais il touche zéro grappin. Hein. C'est... Allez. Vas-y, Thresh. Ok, il a bien utilisé son item au moins. Parfait, Thresh. Du coup, Maître Yi qui fait un Nashor, mais... Que pour deux personnes. Le support et lui-même. Ça va, ça pourrait être bien pire. C'est vraiment pas utile que je fasse de la résistance magique. Hein. Juste faire un cœur gelé, je vais faire cœur gelé et ce sera bien.
sont un autre ennemi. Ah, j'avais plus mon Z, bon, du coup, normalement, il devrait la. Ok, bon, oui, parfait. Là, on va mettre lui qui est en train de détruire notre base. Oh, le maître lui qui tryhard, c'est triste. Est-ce qu'ils ont les mêmes passifs quand je les caresse de l'hiver, dur comme fer? Humilité, dur comme fer. Ouais, il y a deux fois dur comme fer, mais c'est pas très grave. Votre équipe a détruit une tourelle. Après, j'aime vraiment pas faire que je le sur, mais j'ai l'impression de le counter moi-même en fait quand je le fais. Parce que du coup, vu que je réduis la vitesse d'attaque des ennemis, ils me tapent moins vite. Et donc, du coup, je fais moins de dégâts avec mon taunt et mon Zaya. C'est un peu dommage. Là, il y a la quête qui vient de s'activer avec Senna et Thresh. Je sais même pas ce que ça donne. Senna et Thresh, on va fatiguer, pourquoi pas faire. Sinon, on sera présent dans l'interne pour faire à Thresh une partie de. J'ai pas tout lu. Pour Thresh, une partie de sa force à Thresh. Un Thresh qui va devenir un hyper carry. Ça serait très bien. Encore le tuer. Ok. On peut finir là, je pense. C'est rare, hein, de. Ailleurs de journée. Ouais, qui meurt du coeur, mais des tourelles là. Ok, non, c'est bon. Moi, j'ai juste une bonne game de Ravenus encore. Mais là, vraiment, genre. Bah, la game était compliquée en milieu de partie parce qu'on sentait qu'ils allaient essayer de me counter avec leurs items. Ramus quand tu me fouladais ça pardonne pas, surtout quand il y a un maître Yi et une Senna et une Vayne.